ravie de vous accueillir sur cette pause déjeuner. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Donc, on est sur notre troisième voyage vers le futur. On est toujours en compagnie de Thierry, qui est notre fidèle accompagnateur pour ces web-séries. Et aujourd'hui, on accueille Martin Verlaine avec nous, qui va venir nous parler d'un thème important, le management, mais avec surtout une question, vous l'avez vu dans l'invitation, 2030, la fin du management, en interrogation évidemment. On espère que parmi vous, il y a des managers qui vont se questionner sur leur avenir. Il vous reste 8 ans à peu près pour peut-être penser à une orientation. Bon, en tout cas, c'est Martin qui nous le dira. Donc, on est parti pour à peu près 45 minutes ensemble. C'est un voyage interactif. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi le format, on va un moment venir vous solliciter en vous posant 2-3 petites questions. Il faudra répondre dans le chat via un Forms, donc très simple. Vous pouvez garder vos caméras et micro fermés. Évidemment, dans le chat, vous pouvez faire part de vos commentaires ou réactions. On essaiera de rebondir dessus. Et puis, je vous laisse entre les mains de Thierry et Martin pour cette exploration autour de la thématique du management. Merci Fanny, bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'Orangerie dans ce beau décor. Alors je vais faire très rapidement un rappel des épisodes précédents puisque l'été est quand même passé depuis les deux premiers épisodes. Donc sur notre sujet du futur du travail, le future of work, on a, vous vous rappelez, commencé par évoquer les espaces de travail avec Victor Bouzard. On a ensuite parlé de l'évolution des organisations en mode communautaire avec Séverine Besson, en se posant même la question, est-ce qu'il y aura encore des entreprises en 2030? Et puisqu'on parle de l'évolution des organisations, évidemment, on est obligé d'aborder la question de l'impact sur le management et en tout cas de la conduite de l'action collective, peut-être sous d'autres modalités, avec la question, est-ce qu'on va vers plus de management, est-ce que c'est la fin du management, ou au contraire, plus de management, mais peut-être différent. Alors, pour nous éclairer, effectivement, Martin est avec nous aujourd'hui. Martin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Qui es-tu ? Eh bien, merci de me recevoir. Donc, moi, je m'appelle Martin Verlaine. Je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Résilience. Avant d'en parler, ça fait à peu près 10 ans que moi, je travaille dans la transformation des organisations. Et puis, pour vous donner ma fenêtre d'observation, les 5 premières années, je les ai plutôt passées à favoriser, enrichir des modèles très pyramidaux. Et si je suis très caricatural, je dirais à jouer avec des petites cases dans les organigrammes. Et donc, du coup, à bouger tout ça, des structures très hiérarchiques. Et puis, les 5 dernières années, je les ai passés à œuvrer dans des collectifs qui avaient des modalités d'organisation qui favorisaient beaucoup l'autonomie, des formes de responsabilité partagée et de coopération, des organisations que certains appellent « bossless organization », sans chef, sans structure hiérarchique, très lourde. Et donc, il y a 2 ans et demi, j'ai cofondé un cabinet qui s'appelle Résilience, dont l'objectif est justement d'accompagner la transformation des organisations auprès de dirigeants et de managers pour favoriser ces modes de fonctionnement. Et puis, nous-mêmes, du coup, on s'organise de manière très démocratique, avec du partage du pouvoir et de la valeur au sein même de notre organisation Résilience. Merci Martin. Donc, ça va être notre guide pour ce voyage dans l'espace-temps, hein, puisque comme à chaque fois, on va commencer par se projeter en 2030. Donc, comme toujours, 2030, c'est à la fois loin et en même temps pas très loin. Et pour cela, on va vous partager une petite question. Donc, Sofiane, oui, j'ai oublié de vous dire, mais évidemment, Sofiane est avec nous, là, à la technique. Et donc, il va dans le chat vous mettre un petit Google Form pour pouvoir vous questionner sur quelle est votre perception en 2030 sur 3 options qu'on vous propose. Donc, en 2030, est-ce que nous aurons toujours autant de managers? Je ne vois pas ce qui changerait. Toujours autant, mais leur rôle va évoluer radicalement. Il y aura moins de managers et plus de... Je ne vois pas la fin, Sofiane, puisqu'il y a une part d'écran. Et plus de... Alors, plus d'équipes autogérées. Et plus d'équipes autogérées. Donc, dans le chat, le Forms va arriver. Ça est fait en direct, en live. C'est artisanal. Donc, ça prend un petit peu de temps pour arriver. Donc, réfléchissez à l'option qui, selon vous, pour 2030, est la plus probable. Et on va en direct pouvoir voir l'évolution des réponses. Donc, ça commence à arriver. Donc, l'option 1 n'a pas de succès.
Donc, on part sur une éradication du manager, une espèce en voie de disparition. Très bien. Donc, on est plutôt sur l'option 2. A priori, je ne sais pas comment ça a changé. On serait plutôt sur toujours autant, mais leur rôle va évoluer radicalement. Alors, Martin ? Eh bien, je vais tenter pleinement d'aller en 2030. Pour moi, en 2030, il y a déjà un mouvement assez fort d'organisation qui tente justement de ne plus avoir besoin de management. Et à ce titre-là, moi, je vois deux grands mouvements qui ont pris de l'essor en 2030. Le premier, c'est les DAO. Alors, peut-être que quelques personnes connaissent, mais ce n'est pas encore très connu aujourd'hui. Les DAO, c'est les Decentralized Autonomous Organizations. C'est des organisations en fait, qui sont nées dans les années 2010-2020 sur la technologie de la blockchain avec une volonté qui est celle de se passer de manager et en fait d'avoir un système qui prend forme dans l'informatique pour gérer les interrelations humaines au sein d'une organisation de manière très automatisée. On parle de smart contracts. Je vais vous donner un exemple. Une organisation, par exemple, faite d'indépendants, va lancer un gros projet qui est financé. Eh bien, les indépendants vont travailler sur une plateforme ensemble, décider des tâches qui sont à réaliser. Puis, ils vont décider sur un outil informatique de qui va réaliser ces tâches. Et puis ensuite, ils vont ensuite avancer dans le projet, effectuer les tâches. Et puis, à un moment, tout le monde pourra dire telle tâche est effectuée ou pas. Et puis, s'auto-évaluer entre eux, selon des modalités, par exemple, d'évaluation 360. Et tout ça de manière informatique, jusqu'à ce que si la tâche est validée et si l'évaluation est bonne, eh bien, l'argent tombe directement dans la poche des travailleurs. Donc ça, c'est quelque part une volonté de se passer de manager grâce à des systèmes informatiques sur lesquels on décide de règles ensemble, mais tout est ensuite auto-exécuté de manière automatique. C'est le mouvement des DAO et il aura pris de l'essor en 2030 de manière indéniable. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a des organisations qui, elles, ne sont pas du tout basées sur la technologie, mais qui sont des organisations basées sur l'autogestion. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas neuf. Ça date de la révolution industrielle. Il y a eu pas mal de périodes dans l'histoire dans lesquelles il y a eu de l'autogestion, mais la hausse du nombre de crises entre 2020 et 2030 et des problématiques économiques qui ont sans doute mis à mal un certain nombre d'industries ont fait que des salariés ont voulu reprendre les rênes de l'organisation au lieu de fermer leur outil industriel. Ils se sont dit, nous, on est capable d'occuper les rênes et puis de s'autogérer nous-mêmes sans manager. Ça a déjà eu lieu, comme je le disais dans le passé. Dans les années 70, il y a eu l'exemple de LIP qui était très, très fort. Et bien là, entre 2020 et 2030, de plus en plus d'organisations ont cherché à s'autogérer et ont utilisé quelque part des modèles d'organisation comme la sociocratie ou l'holacratie qui visent à s'organiser par des rôles, par un fonctionnement par cercle, avec des modalités de prise de décision par consentement ou avec des élections sans candidat, qui sont des innovations organisationnelles et managériales qui trouvent leur essor entre 2020 et 2030 et qui permettent à des collectifs de s'auto-organiser. Moi, je vois ces deux mouvements-là comme très forts, l'un très technologique, l'autre plutôt sur des fonctionnalités très humaines et organisationnelles, mais qui visent tous deux à se passer de management. Mais alors, c'était ça ma question. Dans un monde très techno, ou au contraire très géré collectivement, c'est quoi un manager en 2030? Il n'y en a plus? Si, je pense que beaucoup avaient raison. Je pense qu'il va y en avoir toujours parce qu'il y a un énorme ventre mou d'organisations qui se sont mises à se transformer. Et dans ces transformations organisationnelles, eh bien, quelque part, on a des managers qui ont radicalement changé leur rôle au sein de l'organisation. Ces transformations, elles ont eu lieu parce que, quelque part, il y avait une aspiration des dirigeants à avoir des organisations qui sont plus agiles, plus innovantes, face à des crises qui se multiplient, mais toujours un monde qui est plus complexe, qui est plus ambigu, qui est plus volatile. Eh bien, les dirigeants ont cherché à avoir des organisations plus agiles. Et puis, de l'autre côté, il y a des salariés qui sont en recherche de sens, d'engagement, d'autonomie, de responsabilité dans leur boulot. Et la rencontre de ces besoins entre des dirigeants et des salariés, elle a mené à des transformations organisationnelles plus fortes, plus intenses. Et ça, ces transformations organisationnelles, elles visent toujours à davantage d'autonomie, davantage de coopération, davantage de responsabilité partagée au sein des équipes. On parle de subsidiarité au sein des organisations avec cette idée de descendre les décisions au plus proche de l'action. Éviter qu'elle remonte 2, 3, 4, 5 niveaux. Et donc là, le rôle du manager, il évolue. On passe d'un manager qui, à l'information, prend des décisions et commande, à plutôt un manager qui partage l'information avec ses équipes,
crée le cadre de co-décision avec ses équipes, leur donne les moyens de s'auto-organiser et puis de suivre le travail, les actions de manière plus collaborative. Ce n'est plus lui qui contrôle, mais c'est l'équipe qui s'autogère et qui contrôle les activités. Donc, tu dessines bien une troisième voie quand même, qui est celle dans laquelle sont embarqués quand même la plupart de nos participants aujourd'hui. Un lien, peut-être une question sur le lien avec la taille, parce qu'on voit aussi aujourd'hui des mouvements de concentration, d'absorption d'entreprises, avec du coup des process de reporting, etc., et qui, du coup, pourraient laisser une place plus importante à ce premier modèle là, de management, commande, contrôle, et puis en même temps, des mouvements, effectivement, de décentralisation, de structuration en petites équipes, etc., qui vont vers l'autogestion. Quel lien on fait avec les mouvements d'évolution des organisations? Eh bien, moi, je dirais que justement, en 2030, on a arrêté la course à avoir une centralisation dans tous les secteurs d'activité des entreprises. La taille de l'entreprise ne permet plus tant de faire des économies d'échelle parce qu'on crame l'ensemble des économies d'échelle dans les besoins de coordination au sein de ces organisations. Il y a des coordinateurs de partout avec des fonctionnements matriciels. Et puis finalement, il y a des gens qui passent leur temps à faire du reporting et puis à tout simplement essayer de coordonner le travail d'un tel et d'un tel. Et puis finalement, les gens qui produisent réellement de la valeur sont moins nombreux. Et donc ça atteint ses limites, mais c'est aussi parce qu'il y a des opportunités avec le numérique pour justement avoir plutôt des acteurs qui se spécialisent sur des niches. On voit, je prends l'exemple par exemple de Stripe sur le paiement en ligne. Ça, c'est des acteurs qui sont ultra bon et qui permettent en fait de s'interconnecter avec des grandes boîtes via des fonctionnements d'API par exemple, donc qui sont des fonctionnements informatiques qui permettent de lier quelque part les différentes fonctions d'une entreprise avec des entreprises à l'extérieur et qui permettent à certains quelque part de se surspécialiser plutôt sur leur domaine d'activité. Et donc les entreprises ont eu tendance à arrêter de racheter des boîtes de manière horizontale ou verticale, mais plutôt à se concentrer là où ils apportaient le maximum de valeur. Et puis, ça correspond aussi à quelque part à ce mouvement de recentralisation aussi des activités, se mettre au plus proche des consommateurs et des fournisseurs. Là, on a un réel besoin dans les organisations à retrouver justement cette agilité. Tout le monde demande plus de local, consommer plutôt local. Et donc, il y a un besoin quelque part de ramener les entreprises au plus proche des personnes, des consommateurs, des fournisseurs, etc. Et donc ça nécessite une forme d'agilité très importante. Et moi, ce que je vois là en 2030, c'est plutôt des organisations qui ont une tendance à avoir des équipes autonomes, autogérées, plus petites, et parfois même à finalement casser des structures, des SA, des SAS de plusieurs dizaines, vingtaines, centaines de milliers de personnes, et plutôt à aller vers des modèles de petites organisations qui sont interreliées. Et là, il y a un exemple qui existait déjà dans les années 2020, qui est l'exemple d'Ailleurs. Ailleurs, c'est une entreprise chinoise. C'est un conglomérat en fait, de petites entreprises qui ne sont plus dans les logiques de compétition, mais de coopétition. C'est des logiques à la fois de coopération, mais en même temps, elles sont mises un peu en concurrence. Donc, c'est un acteur Ailleurs qui travaille dans l'électroménager, qui propose des produits d'électroménager et qui a créé un conglomérat dans lequel il y a des petites boîtes de 5, 10, 15, 20 personnes. Certains qui sont au début de la chaîne de valeur, d'autres assez loin en fait dans la commercialisation, avec à l'intérieur des fonctions support. Et tous ces acteurs sont interreliés, connectés, s'entraident, montent des travaux entre les différentes entreprises, mais sont quelque part hyper agiles parce qu'elles ont de l'autonomie, parce qu'elles peuvent fonctionner, parce qu'elles sont petites, de manière très réactive en fait. Et ça, c'est un modèle qui a fonctionné et qui s'est multiplié. Et puis, on peut citer, par exemple, l'exemple d'Emmanuel Faber, qui est revenu aux commandes de Danone en 2023 et qui a relancé ce travail-là, qui a permis en 2030 d'avoir plein de micro-entreprises au sein de Danone dans un grand conglomérat et qui l'a rendu hyper agile. Donc, tu nous évoques en fait une triple orientation du management comme de l'assemblage finalement d'activités, de l'agilité évidemment et de la capacité à réagir. Et puis aussi, tu parlais de proximité local, client, etc. Donc, des grandes orientations qui transforment effectivement le rôle du manager. Vivement 2030. Vivement 2030. En tout cas, je pense qu'il y a des belles opportunités pour les entreprises à évoluer en 2030. Il y a véritablement un besoin, et je parle, c'est vraiment une opportunité, il y a un besoin pour ces organisations de se transformer. C'est-à-dire, il y a des organisations aujourd'hui qui ne passeront pas 2030, la durée de vie des organisations réduite. Face à des crises toujours plus nombreuses, les organisations doivent se transformer. Et ça devient quelque chose de radicalement nécessaire et en même temps très difficile pour les grandes organisations. On l'a vu, transformer des grandes organisations, c'est complexe, c'est très complexe. Les petites organisations y arrivent bien, les grandes, il faut qu'elles trouvent les moyens.
C'est peut-être ce qu'on va voir hein, sur ce qui commence en 2020, mais comment est-ce qu'on peut transformer ces organisations aujourd'hui? Mais c'est bien le défi. Et je trouve très intéressant d'être passé par une phase aussi où on voit des situations très extrêmes, où effectivement la technologie a remplacé l'humain, ou au contraire, on est complètement dans le collectif, parce que du coup, ça permet aussi de se positionner sur des voies plus raisonnables, entre guillemets, qui sont celles dans lesquelles les entreprises sont embarquées, mais toujours avec quand même des grandes orientations à ne pas perdre en date. Là, on est bien déjà dans l'état d'esprit du processus de transformation. Oui, tout à fait. Mais peut-être ce qu'on peut noter par rapport à ça, pour réagir sur ce que tu viens de dire, c'est que moi, ce que je vois en 2030, c'est que contrairement à 2020, où on voit qu'il y a finalement un modèle ultra dominant, hein, issu du taylorisme, du fordisme, qui est basé sur des structures pyramidales, avec une centralisation du pouvoir, une surspécialisation de l'ensemble des personnes, des fonctions, c'est-à-dire les gens, là où il y a quelques décennies, ben, ils pouvaient avoir des fonctions très élargies, aujourd'hui ils sont surspécialisés. Tous ces attributs ben, qu'on donne quelque part aux entreprises pyramidales, ben, c'était 99% des organisations en 2020. En 2030, par contre, eh ben, il y a un foisonnement de nouvelles expérimentations. On a parlé des DAO, de l'autogestion. Il y a un mouvement coopératif qui est très fort et qui tente aussi, via des gouvernances opérationnelles, mais aussi statutaires, bah, d'essayer de réinventer la démocratie. Il y a des tiers-lieux, vous l'avez vu aussi, des communautés qui essayent d'expérimenter dans leur mode de fonctionnement. Et donc, il y a un foisonnement de modèles. On parlait tout à l'heure de sociocratie, de holacratie, l'entreprise libérée, l'entreprise opale, l'entreprise altruiste. Il y a un mouvement de chercheurs, un mouvement de dirigeantes et de dirigeants qui tentent, en fait, de trouver de nouveaux modèles. Et là, il y a plutôt un foisonnement. Le bonheur, il est plutôt dans le nombre de modèles que dans l'unicité d'un seul qui serait tout sachant et qui fonctionnerait pour toutes les organisations du monde. Et je fais un lien rapide avec ce qu'on avait dit sur les espaces de travail. On avait aussi finalement un modèle dominant, tout le monde dans un lieu de travail à des horaires fixes, sous contrôle. Et là, on voit bien que la crise qu'on a vécue a amené une hybridation avec des organisations qui cherchent des modèles qui leur sont particuliers, adaptés à leur contexte, à leurs collaborateurs. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant en termes de, on quitte un modèle unique, quel qu'il soit, et à nous, à chacun d'inventer son modèle à lui. On a voyagé en 2030, on s'est projeté, on va revenir en 2022 parce que dans quelques mois, on y est en 2022, Martin, et donc dans les mois qui viennent, là, si on se projette, qu'est-ce que tout ça va donner? C'est quoi les orientations très court terme, en tout cas? Là, de la même manière, on va vous demander de réagir aussi. Toujours dans le chat, le Forms que va vous envoyer Sofiane, avoir encore une fois un petit peu votre tendance par rapport à ces trois options qu'on va vous partager, que Sofiane va vous partager, puisque c'est notre qui est aux manettes. Donc aujourd'hui, si on vous pose la question, qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre transformation organisationnelle actuelle, puisque vous en vivez toutes et toutes, hein, vous diriez que les salariés sont allergiques au changement et tout est bloqué en permanence, on manque d'outils et de processus, ou bien transformer une organisation… C'est balayé. C'est balayé. On a toujours la barre. Toujours la barre, Sofiane. Je vous empêche de le lire, mais vous pouvez le lire. Vous. C'est comme balayé, il faut commencer par en haut. Donc, quelle serait votre votre opinion? Alors, qu'est-ce qui ressort? Ah, on est quand même sur une bonne tendance sur l'option 3. Commencez par balayer par le haut. Bon, comme un escalier, hein. Comme balayer un escalier, je pense que. Ouais, c'est une tendance qui est quand même plutôt claire. Donc, bon. Peut-être qu'on peut déjà parler de l'option 1 et de l'option 2 avant de les évacuer. Mais je pense que c'est juste le titre. Vous avez raison. Bah, déjà, il y a pour moi un argument que j'entends souvent en fait, dans mon métier, hein, parce que j'accompagne la transformation des organisations, je travaille auprès de dirigeants, de managers, et puis ce que j'entends souvent, c'est « mais attendez, il y a des salariés qui ne veulent pas ça. Hein, il y a des salariés qui sont heureux de faire 9h-17h, de rentrer chez eux, etc. » Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je trouve que l'argument me paraît pas tout à fait juste. Et je pense qu'il y a là, en fait, certes, des réticences qui existent dans les transformations organisationnelles, mais il y a surtout des décennies de modes de fonctionnement justement très pyramidaux, très hiérarchiques, dans lesquels finalement on a mis les personnes dans une posture d'exécution, et uniquement d'exécution, hein, avec des managers qui disaient « non mais je te dis ce qu'il faut faire, je te dis même parfois comment il faut le faire, tu le fais, et puis je contrôle en plus que tu le fasses ». Et donc là, les espaces de participation, les espaces de responsabilisation ont toujours été faibles. Mais en plus de ça, eh bien, lorsqu'on a créé des espaces de participation,
Parfois, c'était très décevant. Parfois, on a demandé, je vais être caricatural, mais on a demandé aux salariés de choisir la couleur des rideaux dans leur espace de travail. Ils choisissaient une couleur, puis ce n'était même pas celle qui était choisie au final. Et donc là, il y a des personnes qui, au bout d'un moment, eh bien, naturellement, ont des barrières au changement. Ils disent, mais attendez, je ne vais pas participer à des espaces de participation. Je veux dire, de toute façon, ma voix n'est jamais écoutée. Donc, il y a je pense, des barrières qui sont logiques. Puis il y a aussi, il me semble, des compétences et des capacités qui sont à développer. Lorsque notre éducation, même je parle de, je reviens au primaire, hein, lorsque notre éducation nous apprend à obéir, ne nous apprend pas à être assertif, à bien communiquer de manière non violente, à prendre des décisions de manière collective, qui apprend à prendre des décisions collectives? Je veux dire, ça ne s'apprend pas en fait à l'école. Ça s'apprend encore moins dans les entreprises. Eh bien quelque part, ces espaces de participation, ils ne sont pas forcément évidents pour tout le monde en fait. Ça nécessite des capacités, des compétences. Donc il faut aussi les développer. Donc ça, c'était pour la première option hein, sur les salariés. Puis avant de passer peut-être aux dirigeants, moi je pense qu'il est intéressant de parler des managers parce que moi ce que j'observe, c'est que les managers, très souvent, et notamment les managers intermédiaires, eh bien ils sont pris un peu en sandwich. Ils sont pris en sandwich entre des salariés qui leur disent « oui, mais t'es gentil, participer c'est compliqué, etc. » Et puis ils sont pris entre une direction qui veut changer les choses, mais qui quelque part, parfois aussi, crée des injonctions paradoxales. Je trouve qu'il est intéressant de parler d'injonction paradoxale en entreprise. Une injonction paradoxale, c'est cette idée que c'est un ordre ou demander quelque chose qui est impossible. En fait, la manière même d'exprimer cette demande rend impossible son exécution. Des injonctions paradoxales, il en existe beaucoup dans les organisations. Je prends des exemples, c'est innover, mais business as usual. Hein. Donc, oui, mais quand est-ce que tu veux que j'innove? Faites différemment, mais respectez les process. Surtout essayer des choses, mais par contre, il n'y a aucun droit à l'erreur. Bref, les injonctions paradoxales, elles sont extrêmement fortes. Elles ont été encore plus fortes pendant la crise du Covid, où on a dit aux gens, gardez du lien, mais restez chez vous. Bref, donc là, les injonctions paradoxales, elles sont fortes, et puis elles tombent systématiquement sur le manager. Et ça, c'est quelque chose de difficile, parce que lorsqu'on demande aux managers d'être acteurs des transformations organisationnelles, hein, et donc du coup, de changer leur manière de fonctionner avec leurs équipes, eh bien, ils se retrouvent dans un système dans lequel ils sont invités à le faire, mais en même temps, leurs dirigeants demandent très souvent des résultats, voire toujours les mêmes résultats, du reporting, etc. Ça les met dans une situation dans laquelle il est très difficile de trouver des réponses. Alors, j'ai une question compliquée par rapport à ce constat. Je pense que l'ensemble des participants voient bien hein, les injonctions paradoxales parce qu'on les vit tous. Mais du coup, quel savoir-faire, comment on fait quand on est manager, quelles compétences ça nécessite particulièrement pour ne pas être coincé dans ce piège de l'injonction paradoxale? Alors, du coup, l'une des premières compétences, mais logiquement, hein, qui revient sur ce qui vient d'être dit, c'est une compétence à réussir à naviguer dans des environnements complexes. Des environnements complexes, et dans des environnements dans lesquels les injonctions paradoxales, elles sont présentes, mais en plus, elles vont forcément se multiplier. C'est forcément, en fait. Et donc, du coup, il va falloir avoir une capacité à accepter de vivre avec un désordre, en fait, hein, un désordre qui sera présent dans les organisations. Et puis aussi, accepter quelque part de ne plus être juste dans un rôle d'exécution, mais aussi parfois d'être dans un rôle de changement, et donc du coup de se mettre dans une position dans laquelle eh bien, on remet en question des pratiques au sein de l'organisation, que ce soit des procédures qui sont idiotes ou que ce soit des ordres qui viennent du management, eh bien en fait on va demander aux managers parfois de se mettre en difficulté, à risque, parce que c'est à eux que quelque part il va revenir parfois l'obligation de mettre le doigt sur les injonctions paradoxales et de dire « mais regarde, ce que tu me demandes, ce que mon manager me demande n'est juste pas faisable en fait. Comment est-ce que je fais avec les demandes qui me viennent de la direction et les autres qui me viennent des RH, etc. ou même de mes salariés ?» Donc ça, c'est je pense une première compétence qu'il va falloir déployer, et je suis même certain qu'il y a déjà beaucoup de managers dont c'est le quotidien en fait. Mais il y a aussi d'autres compétences. En fait, je pense que le mouvement de transformation managériale, c'est une invitation à délaisser des fonctions traditionnelles du manager et en épouser d'autres. Alors, délaisser certaines, c'est cette idée que, et c'est ce que je disais auparavant en 2030, c'est que on ne va plus inviter les managers à aller chercher l'information et à l'analyser, puis à demander à son équipe de faire des choses, et donc du coup de quelque part, de leur demander d'exécuter, ils ne vont plus non plus être dans un rôle de reporting ou d'aller évaluer le travail de leurs collaborateurs. Donc là, il y a une partie, quelque part, de leurs compétences qu'ils doivent quelque part, laisser au garage. Et puis, il y en a une autre partie de compétences qu'ils doivent développer. Ces compétences, c'est
le fait de partager l'information. Et donc, du coup, d'être un acteur qui, quelque part, l'information, le manager, il en a qui vient d'en haut, forcément, hein, ou des autres directions, puis il en a qui vient de ses salariés. Ben, en fait, il doit être en mesure de partager cette information, de la rendre transparente, et puis de résister à l'envie de garder cette information, parce que l'information, on le sait, c'est du pouvoir dans l'organisation. Mais justement, en capacité, hein, quel terme, méchant terme pour empowerment en anglais, en capacité ses collaborateurs à avoir davantage de pouvoir de décision. Et ça, ça passe forcément par de l'information. On ne peut pas inviter ses collaborateurs à décider si on ne leur donne pas l'information nécessaire pour décider. Sinon, ce n'est pas possible, c'est une injonction paradoxale en soi. Donc, partager l'information, c'est une première chose. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas si facile que ça. Ensuite, il va falloir en effet que les managers développent une compétence supplémentaire qui est celle de faciliter des réunions, faciliter des temps d'intelligence collective, donc se mettre dans une posture qui n'est pas celle d'arriver avec un ordre du jour en réunion et puis le développer et puis dire à la fin, bon les gars, vous faites ça, on se retrouve dans une semaine, mais plutôt développer des réunions dans lesquelles on favorise l'intelligence collective. Et là, ça demande de nouvelles capacités. Hein. Savoir ouvrir un temps d'inclusion, animer un tour de météo, faire des icebreakers, faire un tour de déclusion, et puis donner la capacité aux personnes de s'exprimer pleinement, et puis créer des espaces de sécurisation psychologique. Je vous renvoie à une étude qui est captivante, qui date de 2012, qui est une étude qui a été faite chez Google, qui s'appelait le projet Aristote, qui a montré que les équipes les plus performantes, les équipes projets les plus performantes chez Google, c'était les équipes dans lesquelles il y avait une sécurité psychologique très forte, c'est-à-dire un environnement de travail dans lequel les gens se sentent suffisamment en confiance pour proposer des idées, partager des ressentis, prendre des initiatives. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tant présent finalement dans les organisations où les gens ont plutôt tendance à porter des masques. Et ça, c'est la responsabilité du manager que de réussir à créer les conditions pour que les employés, justement, soient pleinement eux-mêmes et soient en capacité, justement, de partager leurs ressentis, prendre des initiatives et puis, du coup, monter en leadership. Donc ça, c'est une responsabilité du manager. Et puis, au-delà de cette facilitation et de la création de ce cadre, il va aussi devoir mettre en capacité son équipe de décider. Et donc là, il s'agit d'animer des processus de décision collective. Alors, j'arrête tout de suite le sujet, parce que très souvent, on me dit, oui, mais attends, comment ça se passe quand tout le monde décide dans une organisation? Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'arriver à une organisation horizontale où tout le monde décide. Les hiérarchies, elles sont consubstantielles au groupe humain. Il y aura toujours des hiérarchies. C'est juste que la transformation des organisations, c'est une invitation à avoir des hiérarchies qui sont mouvantes, dynamiques. Arrêtez d'avoir des hiérarchies qui sont forgé dans le marbre parce qu'on a un organigramme et c'est un tel qui doit décider de ça. Hein. Et puis, lorsqu'on décide, il faut absolument mettre les personnes de niveau N+3 dans la... Bon, ça n'existera plus. Il faut mettre en capacité les personnes de décider, mais ça veut dire qu'en fait, on va décider plus collectivement de comment est-ce qu'on décide, mais après, si on décide collectivement qu'une personne décide, c'est déjà beaucoup plus démocratique que comme ça se passe aujourd'hui. Donc, on va distribuer les modalités de prise de décision, on va créer des rôles dans lesquels les gens sont en capacité de décider, mais à certains moments, on va aussi avoir besoin de décisions davantage collectives. Et là, ce sera le rôle du manager que d'animer ces processus de décision collective. Et puis enfin, si je vois une dernière compétence très forte pour les managers à développer, c'est celle qui est déjà quelque part leur responsabilité aujourd'hui, c'est de coacher, c'est d'accompagner le développement des compétences de leurs collaborateurs. C'est cette idée de dire en fait que le collaborateur, le manager, au lieu de dicter la marche à suivre à ses équipes, il va se mettre au service de ses équipes et au service de leur développement. Et donc finalement de les mettre en capacité de décider collectivement, d'agir, mais d'être là pour les soutenir. De quoi est-ce que tu as besoin? Et de quoi est-ce que tu as besoin en termes de connexion avec d'autres membres au sein de l'organisation, mais aussi en termes de compétences. Et il va falloir développer les compétences et les capacités des collaborateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, prendre des décisions collectives. Être assertif dans sa communication, communiquer de manière non violente, réussir à prendre du leadership, tout ça, ça nécessite de nouvelles compétences et ça sera au manager de les transférer, d'amener ses collaborateurs à monter en compétences là-dessus. Merci, très clair. Je retiens un message très fort qui est l'utopie de la fin de la hiérarchie et du management. Parce que c'est consubstantiel finalement aux collectivités humaines. Hein. Il y a des leaderships informels qui apparaissent. Par contre, effectivement, des changements de posture, des changements de compétences, au-delà des mots qui sont vraiment très très lourdes en fait, hein, et très très compliquées. Alors, ma question est la suivante. Je suis dans une organisation. Comment je fais pour impulser ces changements? Par quoi je démarre? Comment on fait pour faire bouger ces managers et mettre en place quelque chose qui permet de commencer cette transformation? Alors, moi, la première
réponse que j'ai envie d'apporter à ça, c'est que, avant tout, c'est le rôle des dirigeants que de transformer l'organisation. Hein, moi, j'adorerais quelque part qu'on soit, comme dans l'autogestion, hein, la thématique que je prenais tout à l'heure, et l'exemple de l'IP, hein, ou l'exemple même des Canuts à Lyon, etc., c'était des mouvements, en fait, assez révolutionnaires, hein, des mouvements dans lesquels, finalement, c'est les employés qui décident eh bien, de transformer radicalement la manière dont ils vont s'organiser. Mais c'est extrêmement minoritaire, et même si ça peut se développer dans les prochaines années, ça n'existera pas, parce que quelque part, dans les organisations, il y a des gens qui cherchent à être entrepreneurs, à changer les manières de faire, etc. Mais il revient toujours aux dirigeants de changer les choses. Comme vous le disiez là dans le petit sondage, c'est comme un escalier, balayer un escalier, il faut commencer par le haut. Et donc, ça nécessite que les dirigeants, eh bien, non seulement ils lancent ces transformations, mais qu'ils soient aussi exemplaires. Hein. C'est-à-dire que si on invite à prendre des décisions collectives, mais que dans le CODIR, ben, ça reste le directeur général qui prend toutes les décisions, ben, il n'y aura aucun moyen finalement que tout ça, tous ces modes, nouveaux modes de fonctionnement évoluent dans l'organisation. Donc, c'est un mouvement avant tout qui est descendant. Et là, vous voyez le paradoxe qui est gigantesque. Hein. On l'avait vu avec le mouvement des entreprises libérées. Libérez-vous. Hein. C'est une injonction paradoxale en soi. Je veux dire, c'est une invitation à ce que les gens soient autonomes et responsables, mais c'est une invitation qui n'en est pas une. Hein. C'est fait comme ça. Forcément, il y a une forme de violence hein, aussi dans ces transformations des organisations. Il y a des injonctions paradoxales qui sont très fortes. Et donc, ça va demander aux dirigeants non seulement de lancer ces transformations organisationnelles, mais aussi d'avoir fait un boulot sur eux-mêmes et donc, du coup, d'être en capacité de lâcher prise, de dire « je fais confiance et je ne vais pas, excusez-moi l'expression, mais tirer la laisse dès qu'il y a une décision qui ne me convient pas et qui est prise par des équipes opérationnelles. » Ça, ce n'est plus possible, en fait. Et donc là, il va falloir que les dirigeants le fassent d'une manière non instrumentale, cette transformation organisationnelle. C'est capital parce que sinon, on va créer plus de risques psychosociaux qu'il y en a aujourd'hui dans les organisations. Et les burn-out qu'on voit aujourd'hui, ils vont se multiplier si on lance des transformations organisationnelles dans lesquelles on demande aux managers et aux salariés de s'engager et qu'il y a des dirigeants qui, eux, n'ont pas fait ce travail de véritablement susciter de la confiance et de créer les conditions pour que leurs managers réellement transforment l'organisation. Donc, c'est un mouvement qui dépend des dirigeants, indéniablement. Et donc, la question, c'est, mais qu'est-ce qui se passe dans les organisations dans lesquelles les dirigeants ne se sont pas mis en mouvement hein. Et je pense que peut-être, je prends des pincettes, hein, il y a des organisations ici dans lesquelles ces transformations peut-être ont commencé, mais peut-être pas suffisamment fort, et dans lesquelles les managers, eux, ont envie de changer les choses. Eh bien, moi, je pense que la première chose pour les managers, c'est d'être très au clair sur leur zone de pouvoir et toutes les contraintes que par ailleurs ils ont et sur lesquelles ils n'ont pas de pouvoir. C'est-à-dire vraiment voir ce sur quoi ils ont du pouvoir et ce sur quoi ils n'en ont absolument pas. Ça, c'est capital parce que les transformations organisationnelles, elles sont complexes et systémiques. C'est-à-dire du moment qu'on commence à créer des espaces de participation, donner du pouvoir aux gens, la question de la rémunération, du temps de travail, de l'évolution professionnelle, tout ça est posé. Et donc, ça nécessite de faire évoluer aussi tous ces fonctionnements RH, les processus, les modes. Et donc, tout ça, en fait, doit évoluer. Et donc, si le manager n'a pas de capacité à faire évoluer ça, hein, c'est-à-dire si on lui dit, t'es bien gentil, tu as commencé à donner les moyens à ton équipe de se responsabiliser, de prendre des décisions collectives, et donc, du coup, il bosse différemment, etc. Mais tu ne peux pas toucher à l'évolution professionnelle, tu ne peux pas toucher aux grilles de rémunération, tu ne peux pas toucher à la procédure Intel parce que c'est impossible. Et bien, finalement, leur travail, il va venir avec une tonne d'injonctions paradoxales. Ça va être impossible, en fait, pour eux. Et donc, moi, la première chose, c'est déjà d'être conscient de cela et donc déjà de comprendre quel est son cadre de contraintes, ce sur quoi on n'a absolument pas de pouvoir et ce, par contre, sur lequel on en a. Et il y en a quand même, hein, heureusement, parce que sinon, je pense qu'on s'arrêterait et puis on remettrait sa carte et puis on démissionnerait. Non, heureusement, il y a des possibilités de faire évoluer des choses. Et donc, au sein même du mode de management d'un manager, la manière dont il interagit au sein de son équipe, mais aussi avec d'autres managers, avec ses directeurs et directrices, eh bien, il y a là des zones d'opportunité, de liberté, d'autonomie. Et donc, c'est ce sur quoi il faut travailler. Ouais, j'entends trois choses dans ce que tu dis. Merci, c'est très dense. Mais un, c'est l'exemplarité des dirigeants.
Et l'énorme exigence qui porte sur la congruence, finalement, hein, entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font, les discours et les actes. On sait bien l'exigence hein, que c'est dans des, parfois, comex qui peuvent être aussi un peu complexes parce que jeu de pouvoir. Hein. Deuxième message que j'entends, c'est effectivement, on a toujours des marges de manœuvre dans son équipe, dans son environnement, même si, évidemment, on a des contraintes. Et sur quoi on peut agir et sur quoi on ne peut pas agir, déjà être clair par rapport à ça. Peut-être aussi une façon de se soulager. Et puis, chacun à son niveau, finalement, peut commencer à être un acteur de cette transformation, même modeste. Hein, ça, effectivement, je trouve c'est intéressant. Et puis, il y a un autre aspect que t'évoques, des chercheurs de l'École de management de Paris appellent la technologie invisible. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de techno, effectivement, hein, dans nos mondes, mais les rémunérations, les systèmes de mobilité, toute, on va dire, l'artillerie RH, entre guillemets, dans nos entreprises, c'est une technologie invisible qui nous impacte et qu'on impacte. Et donc, pensons aussi dans les plans de transformation technologique, pensons aussi finalement peut-être à cette transformation de ces modèles-là et de ces systèmes qui, aujourd'hui, sont peut-être plus tout à fait adaptés par rapport aux transformations que tu évoques. Merci beaucoup. On regarde un peu du coup peut-être les réactions des participants. Donc, est-ce qu'il y en a des commentaires, des réactions on a la possibilité dans le chat de pouvoir interagir avec vous. Peut-être pour réagir avec ça, si je peux me permettre. Hein, ouais. Tu as tous les droits. Pour réagir là-dessus, peut-être n'hésitez pas bien évidemment à poser vos questions. Et pour réagir là-dessus, moi je pense que vraiment le manager a la possibilité d'amorcer les transformations au sein de son équipe. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer des espaces de participation hein, au sein de son équipe. Et ces espaces de participation, je pense qu'en fait, pour éviter justement qu'il y ait des réticences au changement, eh bien, je pense que ces espaces de participation, ils doivent être relativement petits. C'est-à-dire, on ne va pas embarquer des personnes qui sont dans un modèle commande-contrôle depuis des années en leur disant « Bon, écoute, maintenant, tu gères tout, c'est toi qui prends les décisions, etc. » Ce n'est pas possible et c'est sans doute pas souhaitable, en fait. Ça va nécessiter plutôt de créer des espaces de participation petits. Donc, au début, c'est-à-dire prendre la main, lui dire « C'est toi qui décides de cela, etc. » Et le plus simple pour créer ces espaces de participation et éviter qu'il y ait des réticences au changement, pour ma part, je pense que c'est de travailler sur les conditions de travail. À chaque fois, je dis ça parce que je n'ai jamais vu un seul salarié de ma vie qui ne voulait pas donner son avis sur ses conditions de travail. Ça n'existe pas. Tout le monde veut décider, participer à la décision de comment est-ce que je travaille au quotidien. Alors, vous n'avez pas forcément la main, en effet, tu le disais, sur les rémunérations, mais ça peut être sur les horaires de travail, ça peut être sur les bureaux, ça peut être sur le télétravail. Hein, si vous arrivez quelque part à avoir une marge de liberté de la part de votre manager là-dessus, eh bien, créez quelque part des espaces de participation, des groupes de travail dans lesquels on va expérimenter des échanges là-dessus, les mettre en responsabilité, leur dire soit vous avez un rôle de proposition très clair à faire au management soi-même, vous êtes en décision et c'est l'idéal, hein. Et bien là, on va pouvoir expérimenter des modes de prise de décision collective. La responsabilisation, l'idée qu'il va y avoir des membres au sein de l'équipe qui vont prendre du leadership là-dessus et donc du coup, qui vont se mettre dans une posture eh bien, de proposer, de décider, de prendre des initiatives. Et bien ça, c'est extrêmement favorable quelque part pour créer les conditions d'une transformation au sein de son équipe. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, puissant. Et puis après, il y a des outils en fait, qu'on peut essayer. Hein, moi, par exemple, je prends l'exemple de la gestion par consentement. C'est un outil de prise de décision. C'est l'un des piliers de la sociocratie. C'est une modalité de prise de décision collective qui permet quelque part de prendre une décision à 5, 10, 15, 20 en évitant à chercher à être tous d'accord, mais plutôt à chercher s'il y a des objections majeures au sein de l'équipe sur une proposition. Ça permet de responsabiliser des personnes au sein de son équipe. Hein. Des personnes vont pouvoir proposer et être au centre de ce processus de décision par consentement. Typiquement, ça, c'est un outil puissant pour faire évoluer les compétences et les capacités de son équipe. Alors, bien évidemment, il y a un peu ça. On manque de temps pour expliquer ce qu'est la gestion par consentement, donc je vous invite vraiment à aller regarder sur Internet, à vous y intéresser. Ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Puis peut-être, j'ai le temps de dernière astuce, quelque chose qui me semble intéressant. Ça peut être de se regrouper entre managers. Moi, je trouve ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. Vous parliez de communauté, je crois, avec Séverine la dernière fois. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est de faire une communauté d'innovation managériale. Rassemblez-vous à 3, 4, 5, 6. Demandez à votre management les moyens, quelque part, de faire évoluer les modes de management au sein de votre organisation. Et puis, à 5, 10 managers, demandez les moyens d'aller visiter d'autres organisations qui ont des modes de fonctionnement qui sont originaux, différents, alternatifs. Allez vous en inspirer. Et puis ensuite,
faites du co-développement entre vous, cherchez à savoir qui fait des choses qui sont originales. Ah, tiens, tu fais comme ça, etc. C'est intéressant. Tiens, est-ce que tu voudrais venir dans mon équipe, m'expliquer comment tu fais et tout. Et là, dans un modèle communautaire, ça vous donne l'envie, l'énergie, les moyens, la confiance aussi, eh bien, d'essayer des choses nouvelles, d'expérimenter des choses avec votre équipe. Moi, je trouve que c'est une super manière. Et j'en profite pour glisser une référence d'un de mes collègues qui a écrit un bouquin sur « Pour changer le monde, commencez par vous-même et commencez petit ». J'entends aussi les petites victoires que chacun peut avoir, ses petites zones, et que c'est finalement ça qui peut changer le monde, ou en tout cas nos organisations. Alors, est-ce qu'on a le temps pour une question peut-être, parce qu'il y en a plusieurs là, mais il y en a peut-être qui peuvent être intéressantes. C'est Ingrid qui nous demande quel sera le moteur en 2030, les nouvelles générations, ou la nécessité d'efficacité. Intéressant cette question des générations, et quel est ton point de vue là-dessus? Alors, je vais vous décevoir, je ne suis pas un grand fan de l'analyse générationnelle, hein, comme quoi Y, Z, etc. En fait, moi, je pense que toutes les générations aspirent au bonheur, à avoir du sens et de l'engagement dans leur travail. C'est juste que je pense que la génération des personnes là qui arrivent sur le marché du travail, elles ont cette envie-là qui est plus forte, mais c'est aussi quelque part que ce qu'ils vivent à la sortie de leurs études est ultra violent. On arrive dans un monde dans lequel il y a un chômage de masse. Et puis, il y a une autre forme de violence, c'est la dissonance cognitive que chacun vit entre sa vie personnelle et son travail. Hein, c'est-à-dire que là, on a des personnes qui, dans la vie, sont engagées dans des associations ou qui prennent conscience de l'obligation, de la nécessité, de l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, ils le vivent au quotidien dans leur vie personnelle avec leurs amis. Puis, ils arrivent au boulot. Finalement, leur boulot ne leur offre absolument aucune réponse là-dessus, ou très peu. Et cette dissonance cognitive, elle est devenue mais vraiment injustifiable et difficile à vivre. Et donc, du coup, les gens sont là en mode mais pourquoi j'irais passer 10, 15, 20 ans de ma vie dans cette organisation alors que finalement, je ne participe pas à créer les changements auxquels j'aspire dans ma vie personnelle. Et donc ça, je pense que ça tend encore plus les générations des personnes qui arrivent là sur le marché de travail. Mais il ne faut pas faire sans les autres générations qui aspirent exactement la même chose, mais qui peut-être ont connu ou se sont habitués à des modes de fonctionnement au sein de leurs organisations. Donc, indéniablement, il va y avoir un mouvement de sortir des managers de l'organisation qui vont partir à la retraite et de nouveau qui n'aspirent pas aux mêmes choses. Et ça va quand même aider quelque part. Mais je pense qu'il y a surtout une désertion dans beaucoup de grosses boîtes, des gens qui ne veulent plus aller en fait dans les organisations parce qu'elles ne trouvent pas le sens et l'engagement. Donc, il va falloir quand même répondre à cet objectif-là, sinon, bon. Et je pense qu'aussi la filière management, elle est moins prometteuse. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, 30 ans, vous sortiez d'une école de commerce, votre rêve, c'était de devenir manager. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est devenir entrepreneur. Très loin de moi l'idée d'encenser la Startup Nation et dire c'est là qu'est le bonheur. Mais en tout cas, tout le monde a plutôt envie d'entreprendre à son niveau. Et là, il y a quelque chose, je pense, d'intéressant parce qu'il faut qu'on arrête dans les grandes entreprises d'uniquement valoriser la filière management. La seule manière d'évoluer professionnellement, de gagner plus d'argent dans une organisation, c'est de prendre la place de son N plus 1. Et ça, c'est un échec. Finalement répété dans les organisations. On va monter, mais jusqu'à son niveau d'incompétence le plus haut. Et donc, moi, je pense qu'il y a plutôt des filières d'expertise à valoriser, des filières, justement, d'intrapreneuriat, d'essayer d'innover, voire même de valoriser des profils qui vont connecter à l'extérieur de l'organisation dans des écosystèmes. Il y a là, finalement, un foisonnement de nouvelles compétences à valoriser dans l'organisation. On pourrait encore parler pendant des heures là-dessus. Je pense que on est presque au bout du temps qui nous a imparti. Merci beaucoup, Martin, pour une petite conclusion peut-être rapide et sûrement très très simpliste par rapport à ce que tu nous as dit. J'entends derrière et on va prendre une analogie autour de deux mots qui sont très fréquemment employés dans les entreprises, le mot de la conduite du changement par exemple, voilà, qui est la vision finalement pour moi un peu classique de je vais prendre mes collaborateurs par la main puis je vais les conduire à un endroit que je connais bien, à cette notion de transformation alors qui est très galvaudée, mais dont tu as évoqué en fait l'ensemble des enjeux, l'ensemble des phénomènes, où finalement une partie de la transformation, elle doit évidemment partir du sommet, elle est évidemment portée et incarnée par les dirigeants, mais elle est aussi finalement dépendante de chacun d'entre nous. On a chacun responsable d'une partie de cette transformation qu'on aspire de ses voeux. Donc, passer de la conduite du changement au pilotage de la transformation, c'est finalement un énorme paradigme dont on va voir le résultat en 2030 et dont on a essayé, en tout cas grâce à toi, de poser quelques jalons dont j'espère que les participants se reconnaîtront parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur cette voie-là.
Merci beaucoup. Voilà. Un petit mot, Fanny, peut-être sur le dispositif qui continue d'exister, le Lab. Le Lab qui est toujours en cours voilà, de création. Donc, on n'a encore pas finalisé l'ensemble des éléments pour le démarrage, mais ceux qui sont engagés là-dedans sont bien sûr évidemment toujours en contact avec nous. Mais surtout, le prochain épisode, puisque le 16 novembre, donc, on aura notre quatrième épisode de notre web-série, avec une thématique qui est encore mystère, mais on reviendra vers vous rapidement pour vous la partager. Je suis sûre qu'elle suscitera autant d'intérêt que ce qu'a pu nous partager aujourd'hui Martin autour de la question du management. Donc le 16 novembre, on espère vous retrouver nombreux et nombreuses avec nous. Et puis, moi, je retiens quand même une chose, c'est que les communautés de managers, le fait de se rassembler et de faire du co-développement, ça reste une des voies pour 2022 et c'est Alliance et Territoires quand même pour ça. Donc, vous êtes au bon endroit. Continuez avec nous et continuez de vous investir dans les collectifs qu'on vous propose. On vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas terminé et un très bon week-end. Et puis, on espère vous retrouver bientôt. Merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir.